Bon voilà, bonsoir tout le monde! Bon attendez, mon son est absolument pas prêt, le titre était pas prêt. Voilà, hop, voilà. Non, c'est bon! Non, c'est bon. J'appréhendais cette session, hein. J'appréhendais cette session. Normalement, tout est good. Allons in game. Je vais jouer mon run sur au moins deux batailles majeures qui peuvent me faire très mal si je perds les deux batailles. Et c'est pas improbable que je les perde. Voilà. Je suis en train de faire le siège d'Umbar. On va aller voir ça. Mais ouais. Je fais beaucoup de choses en même temps. Ouais, 6 000 de thunes à Dolamrotta. Pas mal, hein? 6 000 de thunes à Dolamrotta. Je fais le siège d'Umbar. Le problème, c'est qu'il y a un énorme stack qui arrive. Avec de la très bonne troupe. Les Ar'Pharazôn Faithful. Naru Royal Knight. Très belle troupe. Plus la garnison d'Umbar. Après, j'amène une belle armée. Hein. J'amène une très très belle armée. Beaucoup de caves, de la bonne cave. Il y a du lourd. Question bête. Est-ce que je vois. Ok, ils sont 27, ils ont pris des pertes dans leur cave déjà. Et sinon, je fais le siège de Talajaf avec une autre armée. Dans 2 tours, le siège est fini. Et là-haut, je fais le siège de Imlad Karnen avec le roi sorcier d'Angmar qui est prisonnier. Et là-haut, je fais 4 sièges en même temps. Je fais le siège de Hostitil. 10 tours de siège, mais ça va m'attaquer. On a vu qu'il y avait des grandes bêtes. Oh là là, ma terreur. Donc, ouais, je fais 4 sièges en même temps. C'est un truc de dingue, hein. 4 sièges en même temps avec Dolamrotte. Donc, 4 sièges, donc 3 factions différentes. Oh putain, je joue mon run. Je joue mon run sur ces batailles. Hein. Si ça se passe bien, ça va me mettre bien. Si ça se passe mal, ça va être compliqué. Faudra peut-être que je revienne avec 2 stacks à Umbar. Bon bah j'ai pas le choix, y'a qu'un seul moyen de savoir. C'est parti. Ouais, y a encore un autre Nazgûl qui arrive, ouais. Oh et regardez, il est buggé. Je le déteste. Je le déteste, le Gondor. Donc attendez, là il bouge des troupes. Ok, attendez, attendez, regardez, 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 regardez. Il y a de la troupe qui repart là vers l'est. Hein. C'est pas mal ça. Est-ce que vous pensez que. Je. Dans la Brotte, c'est un vassal du Gondor? Ouais. Une espèce de vassal. C'est une principauté. Mais ça fait partie du royaume du Gondor. Je crois que peut-être l'IA est débloquée. Si on a débloqué l'IA. Eh, je crois que l'IA est débloquée, hein. Oh, s'il peut venir m'aider, s'il peut ramener tout ça. Ouais, Saruman est encore en vie. Saruman est encore en vie. Si, eh, s'il peut m'envoyer tout ça, ce serait tellement goldé pour moi. Bon, là je serre les fesses, hein, parce que je pense que je vais être attaqué à Umbar. Très très grosse armée à Umbar. Où étaient les armées du Gondor lorsque Kerandros est tombé? J'avoue que. Bon. Je suis un petit peu salé quand même, hein, que le Gondor. Ouais, bah c'est parti. Il y a les grandes bêtes qui sont là. Il y a les grandes. Est-ce que les grandes bêtes sont là? Je crois que les grandes bêtes sont là. Les grandes bêtes sont là. Les grandes bêtes, je les gère. Hologai troll, non mais je peux pas aller attaquer ça. Non, non, non. Je me barre. Je me barre. Attaque pas. Voilà, tire-toi. Yes. Non mais vous avez vu, il y avait double troll, Hologai troll, grande bête. Ah c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire l'attaque de nuit.
Je sais pas, je crois que c'était... Je crois pas. Ok, attendez, attendez. Première bataille majeure. Je joue beaucoup sur ça. Lara Dream qui m'attaque. Il y a de la baliste. Une armée déjà éclopée, visiblement. Regardez la quantité de cavalerie qu'il a. Vous avez vu le nombre de caves, de chameaux et tout qu'il a? C'est un truc de dingue. Ok, il n'y a pas de Mumakil. Ok, il n'y a pas de Mumakil et dans l'armée... Pas de Mumakil. Par contre, il y a beaucoup de cavalerie. Et j'ai pas beaucoup de troupes. Hein. On va devoir défendre. Hein. Oh là 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 là, j'ai peur que mes batailles se passent mal. Hein. Je suis en infériorité numérique partout. On va devoir se planquer, se retrancher. On va jouer les bordures de cartes. Et voilà. Normalement, je vais t'attaquer dans le dos. Est-ce qu'on irait pas se cacher? Oh. Se cacher ici. Se cacher ici, potentiellement. J'ai quand même de la sacrée cave aussi. Ma cave va être importante pour plus tard. Hop. Oh non, mais non, comment j'ai pu me faire avoir de la sorte? Écoutez, je tente ma chance. Je tente ma chance. Envie. Pause. Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Ok. En soi, je vais essayer d'avoir une belle ligne de bataille. Comme ça. Les archers. Hop. Hop. Allez. On donne la marge. Oh, dépêchez-vous. Oh, je vais pas arriver. Attends. C'est pas si mal en vrai. Je sais pas ce qu'il te faut, hein. Je sais pas ce qu'il te vaut, hein. Je suis pris en sandwich, pépère, hein. C'est catastrophique, hein. Oh, c'est catastrophique. Oh, je pouvais pas... Mon pire cauchemar, c'était ça. J'aurais dû faire plus gaffe. Hein. Et voilà, j'arrive pas à me mettre en place. Je ne suis pas en place, malheureusement. Allez, on attaque. Hein. On attaque. On va pousser. On va pousser avec armes et bagages. C'est parti. Voilà. Et on va essayer d'attaquer, on va trouver des trous dans le dispositif. Quel enfer. Quel enfer! Oh, et là il s'est infiltré. Alors attends, on va prendre la cavalerie, on va aller le chercher. Parfait, là on a chopé leur lancier. Ok, attendez, ça se passe pas si mal que ça. On les a bien acculés. Là, on a bien chopé leur lancier. Quel enfer. Ça sent le sandwich, je sais. Il arrive très très vite derrière. Mais il y a un monde où je vais réussir à le faire craquer avant. Il y a un monde où je vais le faire craquer avant. Son armée est encore loin. Ici, il faut que j'arrive à me débarrasser de ça, c'est dans le rouge. Si j'arrive à faire craquer cette unité, ça me mettrait bien. Ça, c'est des archers. Regardez, je vais essayer de faire le forcing. Forcer le déplacement de l'unité. L'attaquer dans le dos. Allez, lâche. Lâche. Oh là là. Ça fuit pas. D'où il sort ce moral? Oh là là, les autres qui arrivent très vite dans mon dos. Les autres sont en train d'arriver très très vite dans mon dos. Ça fuit. On va essayer de faire un effet domino, c'est bon. Tout fuit. Je vais venir me positionner ici. Et là, on va essayer de venir tout encercler. On va prendre la cavalerie et on va commencer, hop, viens là,
dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Hop. Je vais prendre un sandwich. Je vais prendre ma cave, on va essayer de temporiser. Oh, les trollman. Les trollman, on va repiller ma garde. On n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Allez, on charge avec la cave. Oh, les balistes. Oh, ma charge est merdique. Ma charge est absolument catastrophique. Et ici, on n'arrive pas à gagner. On n'arrive pas à gagner, c'est l'enfer. Oh, ici, on est attaqué. La Black Snake, tous les... Oh là 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 là. Mur de bouclier, il y a beaucoup de cavalerie en face. Il faut que je replie mon général. Mon général qui va lâcher. Allez, on se replie. Tout est en train de fuir ici, c'est bon. Je vais essayer de me replier en bon ordre. Tout fuit. Toi, replie-toi, comme ça, hop, change de sens. Et alors, plus d'infanterie. J'ai sauvé mon général. On s'en est sorti. Incroyable. Oh là là là, c'est le bordel. C'est compliqué à tenir le front. Le front est très compliqué à tenir. Comme ça, j'essaie de remettre en place ma phalange. J'essaie de remettre en place ma phalange, mais c'est compliqué. C'est bon, c'est bon. On ramène des archers. Je vais essayer de sacrifier... Ouais, mes unités ici, malheureusement. On va essayer de... Ouais, j'ai sacrifié des unités. On va essayer de se débarrasser de la cave. Ici, on temporise. Allez, on a remis en place la phalange. On a fait un joli petit coup, hein. Le sandwich a pas grand chose. La avant-garde. Je vais essayer de sortir. Non, je vais pas sortir ma cave. Il y a juste trop. Mais on est en place. Ici. Voilà, mes boys ici qui vont tenir. Si je peux réussir à me débarrasser de la Black Snake là. Et là des lanciers. Moi ça me va. Hein. On a. Eh, incroyable hein, qu'on ait réussi à remettre en ligne. Une belle death, oh là là là. Putain, non, pas ma avant-garde, pas ma avant-garde. Tape ce que tu veux, mais pas ça. Ouf. Ces balistes vont être extrêmement gênantes. Hein. Allez, si ça tient. Les chameliers, on va les croquer. Oh là là, mais malheureusement, mes pauvres diables ici. Ils sont en train de... Je les ai sacrifiés. La cave. C'est parfait. Oh là là, ici, j'avais pas vu. On va m'aider renforts. Qu'est-ce qui me perce comme ça? Des archers, mais c'est une blague. Bon, 32 à 50. Hein. On la gagne, la bataille. Hein. Malgré une prise de fight catastrophique, on la gagne. Ici, je vais replier ma milice. Oh là là, non, 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 pas les chameaux, pas les chameaux. Oh là 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 là. Je vais replier. Oh, je me suis fait éclater. La charge de chameau m'a fait très 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 mal. La charge de chameau m'a fait terriblement mal. Mais c'est pas grave. C'est de la milice. Pour l'instant, la ligne tient. Au niveau des pertes, il a plus de 60% de pertes. On est pas mal. Oh non, non, non. Oh putain. Il faut que j'aille me débarrasser de ces balistes. Hein. Je vais sacrifier. Quitte à sacrifier mon unité. Non mais les balistes, c'est tellement fort quoi dans ce jeu, c'est indécent. Et ben le chat est plus calme que tout à l'heure. Hein. Quand la racaille était là. Ah, il faut ban de temps en temps, j'ai l'impression. Hein, pour avoir le calme. Hein. Allez, vas-y, parfait. Viens t'empaler avec les chameaux là.
Les Muad Beastmasters, c'est des... Pff, non, mais c'est pas possible. Allez, on va choper les balistes. Il y a encore une troupe qui arrive là-bas. Voilà, les balistes, c'est fini. Voilà. Allez, ça tient. Allez, la petite charge dans le dos. Voilà. Coucou. Magnifique. Magnifique charge. Ça passe très, très, très bien. On se replie. On temporise. Attends, ici j'ai été percé là. Ah oui. Ok, les Aradrim Spearman, c'est la fête. Allez, on va charger dans le dos. Allez, magnifique. Voilà. Parfait, ça fuit. Ça fuit, ça fuit. Vous savez que j'ai pas tué son général. Il y avait un général? Je sais même pas s'il y avait un général. Ok, je vais me replier. Ma cavalerie. C'est pas grave si je sacrifie ma cave. C'est pas un problème du tout. Voilà. Oh, ici, mes mecs, ils ont tenu. Mais quelle bande de tchad! Regardez le carnage qu'ils font! Ils sont trop forts. Les petits piquets avec de l'XP et un bonus d'armure. Ils sont en train de manger toute la cavalerie. Incroyable. Bon, on va attaquer un peu. Voilà. Allez. On contre-attaque. On leur a fait 76% de perte. Les chameaux, en tout cas. Mais les chameaux sont pas mauvais. Hein. Les chameaux, ils font peur aux chevaux et tout. Il y a quelque chose à faire. Hein. Ici, je vais sauver mon unité. Bon, non, on va choper les Black Snakes. Hein. Hop, pareil. Voilà, c'est parti. Oh, ma charge lamentable. Ma charge. Par contre, je vais aller récupérer les archers là. Ils sont 34. Allez. On est en train de manger ce qui reste. On va récupérer une ville. Hein. C'est une grande victoire pour moi de manger le Harad là sur. Ça va m'ouvrir un nouveau front avec. Oh là là, ici, mais toute la cave qu'il a. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de cavalerie dans cette armée. Hein. Il y avait beaucoup de cavalerie dans cette armée, donc forcément. Allez. Ça fuit, parfait. Ça fuit. Là-bas, on fait des prisonniers. 360 prisonniers. En augmentation. Et il y a encore des renforts qui arrivent. On va replier les milices. C'est quoi ça? Troll. Oh, les trollmen. On va les attaquer. Hein. On va les attaquer, les trollmen. Temps de passer à l'attaque. Voilà. On va encercler tout ça. Allez, c'est parti. Oh, mon général qui aura failli passer. Hein. Ça sera pas passé loin. Oh, mais mec, il fuit ici, c'est une blague. Oh, mais non. Oh, les Black Snakes, qu'est-ce qu'ils font là? Le général Nick m'a poursuivi. Il faut que je fasse attention. Fasse attention quand même. On va amener la avant-garde pour boucher les trous. De l'infanterie supplémentaire. Alors, on va avoir de la viande de cheval ce soir. Hein. Viande de cheval, dromadaire, la totale. Hein. Attends, les archers corsaires qui m'attaquent, c'est une blague. Toi, tu vas pas aller là. Toi, on va attaquer les trollmen. Ici, tu vas attaquer. Oh là, Black Snakes. C'est peut-être le général, ça. C'est peut-être le général, ça. Oh, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Magnifique. Ça tombe bien. Parfait. Oh, la batraque de le général. Eh ben, c'est du propre. Hein. Qui a fui, malheureusement.
Oh là, mais ici, les Black Snakes sont impossibles à tomber. Ouais. Il y a de l'infanterie qui arrive en renfort, toujours plus. Là, ça tombe. J'ai plus d'infanterie. On est vraiment ric-rac. On est ric-rac. Ça refuse de se rendre. On va venir charger dans le dos ici des trollmen. Allez, on l'a eu. Enfin! C'est une bataille pour une ville face à deux stacks. C'est une grosse bataille quand même. Allez, je vais tenter une charge dans le dos là. Je sais que c'est des piquets moyens. Oh non, 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 non! Il m'a vu! Allez, on y retourne. Ça y est, il est engagé. Elle va faire mal. Allez, sur 150. Charge. Voilà. Et ça casse bien les rangs de la charge. Et on se bat. Comme un prince. Là-bas, ça fuit. Oula, ma cave. Oh, ma cave, ça fait tout vrai. Eh ouais. C'est peut-être de la cave lourde, mais face au piqué moyen, là, ça se passe pas bien. Compliqué, cette bataille. Hein. Compliqué, surtout vu la prise de fight. Mais c'est une très grosse victoire pour moi. C'est une très grosse victoire. Ça. Il se sera sacrément battu, hein, le machin. Allez, dans le dos. Ce bonne moquette. 13 mois, merci beaucoup. Ce pseudo, quand même, bonne moquette. Tu te bats où? Face au Harad. Face au Harad dans le sud. Je faisais le siège d'une ville à la session dernière. Oula, oula. Attends, il s'est formé ici. Ouf. Non, ça panique, c'est bon. Allez. C'est bon. Magnifique. C'est une grosse victoire. Voilà. On a pris des pertes, c'est vrai. Mais on a fait quand même beaucoup de prisonniers dans cette affaire. Bon, allez, mangez-le là. Voilà. Hop. Beaucoup de prisonniers. Et vu que j'ai besoin d'argent, on va voir si on rançonne pas. Hein. Ma prise de fight était catastrophique. J'ai eu très très peur au début. Hein. Si à 2-3 minutes près, si j'avais pas réussi à faire craquer la ligne, j'étais vraiment. Allez, un capitaine, j'étais pris en sandwich. Ça aurait été catastrophique. Donc ouais, j'ai dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance. Allez, c'est bon. C'est bon. J'ai pris cher, mais je prends une ville. Et une ville rentable. Une ville où il y a un port. Ça n'arrive pas à un repli dans la ville. Non, je pense pas. Vu que je faisais le siège de la ville, il va pas pouvoir se replier dans la ville où je faisais le siège. Normalement. Si tu le rançonnes, bah alors je vais exécuter. Je vais l'exécuter, Warrior. Dans le doute. Dans le doute, on va tout casser. Voilà. Ah ouais, la rançon, pas bête ça. La rançon qui provoque... Ouais, bien vu. Dans le doute, je vais tout exécuter. Vaut mieux prévenir que guérir. Allez, j'exécute. Dommage, hein, 5 minutes de thune. Allez, Talajaf, à moi la ville. Tac. C'est une grosse ville, hein. 2000 de thune, un port. Ouais, le Varia, ça te ferait chier de m'aider. Et là maintenant, la bataille que j'ai très peur. Oh, il reçoit même des renforts. Non. Il y va. Non. Il y va pas. Écoutez, on va continuer. Hein. La guilde des marchands à Talajaf. Je vais pas la faire tout de suite. Le Harad, le déclin du Harad. Ça joue en quelle difficulté? On est en difficile, difficile. Très difficile, c'est un petit peu trop fort pour moi, vu mon niveau de jeu. Donc ouais, on est en difficile, difficile. Espion, tout de suite. Et on a pris la ville de Talajaf. C'est pas mal du tout. Ça m'ouvre des perspectives d'avenir très intéressantes. Je vais faire ça. Pour poser une petite watchtower. Et on va se battre. Ça va mourir du map control. Guerre déclarée entre Erebor, ok. Alors toi, avec des bateaux embarqués, je te laisse pas partir. Hein. Hop. Ah, je sais pas par où il va. Où il est là. Hop. On l'a pas coulé.
Bon, on va rentrer se recompléter. Au port. Toi. On l'a coulé. Voilà. On va aller recompléter à Dolamrot. La flotte. Oh là là, j'ai des Talon Knights. Je peux faire des Talon Knights et tout. Ouf. Et là, j'ai mon autre armée qui fait le siège. Ici, je vais essayer de m'exfiltrer. Et je vais reprendre le plan initial d'aller... Le Mordor, c'est sous siège. Je vais aller aider au siège et on va aller aider le Gondor. Mercenaire, un Taladjar, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin, ça va tenir un Taladjar. Je vais immédiatement installer une garnison. J'aurais dû peut-être faire ça avant. Non, j'ai envie de faire une bataille majeure. J'ai envie de la tenter. Mais on va continuer à faire le siège et on va le saigner. Et voilà. Ici, je vais continuer à recompléter. Fistion et Imaril. Recrutement. On va lever des troupes. Voilà. Et on va même lever Smoking House. Université, non. Mais c'est vrai que le port à 5000 me fait de l'œil, mais c'est un petit peu cher. Fangobble. On va continuer à recompléter tout ça. Et on va installer Communal Farming. Estala, je vais continuer. Ouais, j'avais beaucoup de choses à recompléter. Mais là, l'argent va mieux. Hein. On est remonté à 8000 d'income. C'est tendu le très difficile avec le Gondor. En fait, le Gondor n'est pas une faction dure à jouer. Le problème, c'est le spam répétitif. Tu vas recommencer encore et encore et encore les mêmes batailles et... Je te casse pas que c'est extrêmement chiant. Voilà. Ah, doucement, Hiro, hein. Doucement avec tes viandes caramélisées. Va falloir que t'arrêtes ton délire, là. Gentiment, hein. Va falloir trouver un nouveau délire, là. Hein. Que parler de ta viande caramélisée, de ton miel, ça devient cringe. Hein. Très cringe. Hein. Hop. Ok. On attend. J'ai remporté la première grande bataille ici. Je suis très content. T'as la Jaff. Et on va serrer les fesses maintenant pour la suite. Là-haut, il y a le roi sorcier dans le mar. On espère. On a le temps ici. Hein. Combien de tours encore? 4 tours. On va continuer à saigner tranquillement son armée de Clodo là. Et on va serrer les fesses. Je crois qu'il y a des renforts qui arrivent. Hein. Ouais, il y a des renforts qui arrivent. Dont les hologailles et les trolls. Ouf. Ça me fait très très peur. Hein. C'est quoi ce jeu de Gondor? Ouais. C'est fun le Gondor, attention, je me suis mal exprimé. Mais c'est vrai que quand tu vas faire 10 fois la même bataille à Kerandros, tu vas peut-être commencer à en avoir un petit peu marre. Ouais. Voilà. Sur du auto-win, c'est vrai que faire du auto-win... Faire de l'auto-win... Quand t'as fait 4 fois la même bataille, faire de l'auto-win, c'est honnête, je pense. Parce que c'est vrai que c'est... Kerandros, Osgiliath, recommencer encore... Ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Après, c'est mes goûts, mais moi, Ok, le Tower Defense, c'est partie du jeu, mais... C'est pour ça que j'aime pas le Gondor, en fait. Ou en tout cas, que j'ai pas l'intention de faire du Gondor en live. Parce que c'est très, trop répétitif. Pardon. Je suis allergique au Tower Defense. Ah, bien, Hiro. Très bien. Je t'empêche pas d'avoir des délires mielleux, mais... Parle pas trop de ta viande mielleuse, quand même. Ah ouais, direct Ardunaïde et m'attaque. Clac. Pourquoi dans Rondon, on peut pas construire des murs? Ok, alors, bonne question. Tu peux en faisant évoluer les villes, hein, je crois. La grosse bataille de notre temps. Hein. La grande bataille de notre temps. Hein. J'ai très très peur. J'ai très 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 peur. Mais j'ai l'avantage d'avoir de la cave. Il va falloir que je masterise ma cave. Hein. C'est la bataille pour Umbar. Hein. C'est ma troisième tentative à Umbar, je crois. Naru Royal Knight, il y a énormément de troupes d'élite. Oh bah écoutez, on sait exactement où on va défendre. Je sais exactement où je vais défendre. C'est parfait. J'ai beaucoup de cavalerie.
Donc je vais pouvoir faire un corps de cavalerie lourde. J'ai de l'infanterie d'élite. On va... J'ai pas tant que ça de phalange. J'ai beaucoup de T2. J'ai de la troupe de choc. Ah ouais, c'est une belle armée que j'ai. Je vais même garder les phalanges en deuxième ligne. Je vais faire une armée offensive. Hop. Comme ça. Je vais prendre toute ma cave. Et on va faire un gros corps de cavalerie. J'ai quand même quelques très bons archers. Voilà. Comme ça. Et j'ai... On va pouvoir faire du mur de bouclier sur les flancs. On va défendre. Voilà. Je vais garder mon anti-armure pour les généraux ennemis. Là, pareil. Normalement, il me semble que les Lamedon Clansman... c'est du effectif contre l'armure. Voilà. Ça me fait ça en armée. Parfait. On va venir se mettre comme ça. Voilà. Et là, on va aller choper l'ennemi. Hein. On va essayer d'aller choper de l'ennemi. Il a de l'inf. Mais je peux l'intercepter. Il y a une autre armée qui arrive là-bas. Il arrive très très vite, le boug. Attends, t'es sérieux? Tu viens me chercher en frontal là avec tes... Des Azraïens Marines? Moi je te chope, hein. Mur de bouclier. Comme ça. Allez. T'as pas le temps de tirer. Boum. Voilà. Allez, la grosse charge. Qui fait bien mal. Oh, par contre, comment il m'a éclaté? Il est anti-cap, le. Au secours. Est-ce que je le chargerai pas? Oh si, je vais tellement le charger. Il n'est pas en position... il n'est pas du tout en position de... Hop. Oh là là, j'ai pas vu, je me suis fait attraper, mon général aussi. Oh oui, vas-y, viens dans mon anti-cave, toi. Voilà. Ici, on va venir sur le flanc. Là-bas, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout pour ma cave. Je me fais... Attends, mais les lanciers de Sauron, depuis quand ils font... Depuis quand ils font aussi mal, les lanciers de Sauron, là, les lanciers du Sud? Incroyable! Ok, barrez-vous, je suis en train de me faire éclater. Ça se passe pas bien du tout. Ok, ici c'est bon, on a tenu. Ici aussi. Là, il y a les renforts qui arrivent, on encercle. On va commencer la bataille ici. Oh, mais c'est pas possible de me faire attraper comme ça! Je me suis fait manger par la cavalerie légère! Allez, débarrasse-moi de ça, s'il te plaît. Allez, dégage, il y a les albardiers qui arrivent. Hop. Allez, barre-toi. Compliqué cette bataille. Hein. Pourquoi sur le stream, non, je sais rien. Va lui demander, pourquoi tu me demandes à moi? Ouais, j'ai déjà vu Kurt de temps en temps. On va faire tout le tour. Il faut que j'arrive à utiliser ma cave. Hein, parce que si j'arrive pas à utiliser ma cave, je suis dans la merde. Oh là là, ça se passe pas bien sur certains engagements là. Ah ouais, eux là. Ok, les Arpharazon Faithful. Là, on a fait tout le tour. On va venir comme ça. C'est catastrophique. Hein. Les Arpharazon Faithful là qui me découpe. Allez. Oh non, et l'autre armée qui arrive sur le flanc, c'est pas possible. Oh
On va venir charger tout ça. Là, mes deux généraux, on va venir charger les fesses full. Là, on va venir charger comme ça. Et toi, là, tu vas venir charger. Oh, il y a encore la cavalerie qui est là. Comme ça. Allez. Bah, il faut que ma carte fasse la différence. Allez. Doom. Ici, je me fais intercepter. Putain. Allez, en général, barre-toi. T'as fait le DPS. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué face à Umbar. Je me fais accrocher de partout. Il n'y a pas de place pour manœuvrer. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout. Allez, charge générale. Oh, je dois charger dans des lanciers et tout. Quel enfer. Non, c'est pas possible, c'est quoi? Il y a que de la troupe d'élite dans cette armée! Il y a que de l'élite! Oh là, c'est la cata. C'est la cata. Pour l'instant, ça tient, mais je sais pas pour combien de temps. Oh, ici, je me suis fait attraper. Non, mais c'est pas possible, il y a deux. Je ne peux pas manœuvrer. Il y a tellement de troupes ennemies. Ici, mes mecs fuient. Non, ils fuient pas. Oh là là, et là, c'est du moyen, mais il s'est infiltré. Putain, mais l'IA qui joue bien, ça me fatigue, hein. Bon, allez, il faut que j'arrive à me réinfiltrer. Voilà, sinon ça va être compliqué. Ouais, ma cave a fui ici, malheureusement. Ok, mon général, tu viens charger là. Toi, tu viens charger là. Allez. Voilà, allez, dans les. C'est une armée d'élite hein, en face. Hein. Il y a même pas de merde, quoi que ce soit. C'est que de la super troupe. Hein. Parfait. Bon, ici, il est venu au cac. Tant pis, on va aller chercher la bagarre. Non, 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 viens là, ma cave, viens là, ma cave. On a réussi à faire quelques belles charges. Le problème, c'est que mes généraux font la gueule. Et je peux rien faire. Dès que je manœuvre, je me fais manger. Allez, viens là, comme ça, dans le dos. Je viens par perdre mes généraux à un moment. Allez, barre-toi. Et ici, il n'y a rien qui fuit. Hein. En même temps, il a... Allez, viens charger là. Tiens, viens comme ça. Ici, je sais pas si ça tient ou pas. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Là, on a fait le boulot. Oh là là, mes généraux. Mes généraux qui sont en train de lâcher la cave. Ma cavalerie. Allez, là, on a fait une très belle charge et ça fuit. Parfait. Faut pas que je perde mes généraux, surtout. Voilà. Là, il me reste encore des flèches. Non mais où tu vas toi? Où tu vas? Où tu vas? Voilà, c'est très bien. On va essayer de venir ici. Ça y est, on a levé un peu de place. Là, on va peut-être pouvoir venir charger. Non, on va pas dans les narus. Ici. Allez, on les savates. Infanterie moyenne. Oh là là là. Oh non, il y a des narus. C'est pas possible. Allez. Ouais, là, il s'est... On va venir charger. On a eu un général. Bonne nouvelle. On a eu un capitaine. Oh non, 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 non. Pars-toi, pars-toi. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai pas micro. Mon général, j'avais pas vu là-bas. Ah, y a rien qui fuit. Y a rien qui fuit, malheureusement. Mais on se bat bien. Ici, on l'a chopé. Je vais essayer d'aller tuer le général. Mon armée, qualitativement, est en train de faire un boulot incroyable.
Mes généraux, mes généraux, mes généraux. J'ai oublié les micros. Oh, ma vie est merdique. Ils ont pas suivi les ordres que j'aurais donné. Y'a des unités qui fuient, hein. Y'a des unités qui fuient, hein. C'est une bonne nouvelle. On va aller charger les crossbows, là. Là, on va se mettre en place pour aller charger dans le dos de... La qualité de mes troupes est peut-être en train de faire la différence. Allez, on charge. Regardez, tout ça, ça fuit, là. Voilà, allez, on fait des pertes. On se replie. Allez, ici, on va venir... On va essayer de tuer le général. Ici, ça fait le boulot. Le problème, c'est qu'il a encore des très très bonnes troupes. Crossbow. Oh, ma charge est merdique. Ma charge est merdique. La pire charge. Allez, ici, viens l'encercler. On va essayer de s'en débarrasser. À un moment, mon général, il va craquer. Mes généraux, je vais les perdre à un moment. Il y a des narus sur eux à chaque fois. J'arrive pas à les manœuvrer. Allez. J'ai pris 50% de perte et lui est à 62. Elle se passe pas si mal que ça, cette bataille. Ici, tout a fui. Je vais pouvoir envoyer des renforts sur la ligne de front. On va essayer de venir boucher les trous avec mon infanterie d'élite. Oh non, ici, il a tué ma cave. Oh non, mais non. Les narus, ils sont intestables. Ils sont 52. Au secours. Oh, là, mes mecs ont fui, malheureusement. Oh, ça va être compliqué, hein. Ça va être très, très compliqué. Il n'y a que de l'infanterie très qualitative. Allez, viens charger là. Viens charger là. Oh, il compte. Ok, là, ça fuit, parfait. Oh, là, ma charge est pas très, 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 très bonne. On se replie, on amène des renforts de cave. Ici, on mange. Là, je déguste face au Naru, je leur fais aucune perte. Là, je vais amener des renforts, on va venir me cercler. Oh, ma cave, non, non, mais pas comme ça. C'est compliqué. C'est très très compliqué, surtout quand je fais des charges de merde. Oh là 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 là. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Oh, je me fais manger par les Rosadan Footman. Tant que j'arrive pas à tuer le général ici et les narus ne tombent pas. Ma cave, j'aurais pas réussi à bien micro ma cave comme je l'aurais aimé. On va faire une grosse charge là dans les crossbows. Oh, il y a une Berutiel Watch. Là c'est du corsaire. Hein. Allez, la grosse charge. Au niveau des pertes, c'est 73 à 69. Hein. Je pense pas que je vais gagner. Il a une excellente qualité et je ne fais pas assez de pertes. Il a des narus, hein. Il a beaucoup de narus. Et ça, c'est un gros problème, qu'il ait autant de troupes anti-cave. Il a 3 généraux, là, sur le champ de bataille. J'arrive pas à me débarrasser de ces unités. Là, je vais essayer de charger, là, dans le dos. Comme ça, c'est parti. Il faut que je vienne appuyer. Oh là là, ici, il a des troupes qui se libèrent. Non, j'ai pas la gagner. C'est pas possible, putain. Ouais, mais là, il a, c'est des trucs quali, c'est du T2 et tout ça, et j'ai pas ça. En tout cas, j'ai ça, mais il est trop nombreux. Il est trop nombreux. Je lui fais pas assez de pertes. Il me reste plus que les archers sur le champ de bataille. Bon, bah, la descente d'Umba aura échoué. Là, ça fuit. Je voudrais bien essayer d'aller tuer le général ennemi. Je vais tenter une charge pour essayer d'aller tuer le général ennemi. Un des généraux ennemis, en tout cas. Quoique là, attendez, ils sont dans le rouge. Ça peut lâcher dans le rouge comme ça. Une petite panique dans la formation. Allez, hop, ça panique, voilà, parfait. Ça me libère ça pour aller aider. Oh là, mes unités qui paniquent.
Ouais, mais les narus. Les cocons de soviétiques, ouais, mais bon. Faut aussi que je l'attaque, quoi. Et je vais devoir venir avec deux stacks hein, pour prendre une barre. Hein. Ok, belle charge, on va pas tuer. Oh, mes deux généraux sont en sang. Mes deux généraux sont en sang. Ah, malheureusement, ici, mes troupes ont lâché. Ici, ça a tenu. On va venir dans le dos. On va venir comme ça, on va essayer de charger là. Allez. Le fait que j'ai pas manque de perce armure, j'avais. Ouais. Manque de perce armure. Oh non, il y a ma cave qui s'arrête. C'est terrible. Ma cave qui s'arrête, ça c'est terrible. Oh, il contrecharge, l'IA qui joue bien. Et ouais, ça fait très 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 mal. Je vais essayer de sauver ma cave. Hein. Je vais essayer de sauver mon bon général. Je la gagnerai pas cette bataille. Je la gagnerai pas cette bataille. Quoique, attendez. Toi, moi par toi. Mais l'autre là. On va continuer à faire des pertes au moins. Ça sera la quatrième expédition sûrement. Hein. C'est pas un problème. Pourtant, c'était une belle armée que j'ai amenée. Hein. Mais malheureusement, Umbar en T3, c'est meilleur que moi. Hein. C'est meilleur que moi, Umbar en T3. Et là, oui, c'est bon, ça passera pas. On va sauver ce qui peut l'être de cette armée. Dommage. Dommage, j'ai perdu. ...80% de perte, je l'ai fait, mais il me manquait un petit peu. Il me manquait un peu de qualité, je pense, pour gagner. Et surtout, il y avait deux stacks. Hein. Il y avait deux stacks. T'es en T2, eh ouais, je suis en T2. Hein. Et lui avait beaucoup de T3, avait des généraux, et les généraux de Hardunheim sont juste ingérables pour moi, malheureusement. Hiro, pourquoi tu parles en anglais d'un coup Ah, ne pas prendre d'assaut, ils sont pas trop grands. J'aurais pu essayer, mais je suis même pas sûr que ce serait passé. Avec les garnisons supplémentaires et tout ça. Je suis même pas sûr que ce serait passé. Dommage. Dommage. C'est pas une catastrophe. J'ai pris l'autre ville à côté. Je vais revenir plus fort. Ouais, enfin, je sais pas si c'est un général ou un capitaine que j'ai tué. Bah non, c'est un général forcément, parce qu'il y avait des généraux dans les deux armées. Faut prendre des trébuchés, ouais, mais c'est pas si simple, les trébuchés, c'est un peu de la merde, les trébuchés, en fait. Le train curieux est vivant, ouais. Harvey Dui et son mignon. J'ai eu de la chance qu'il meure pas avant, hein. Quoique, peut-être que j'ai perdu l'autre, hein, mais je pense pas. Hein. Oh, je peux pas payer la rançon, c'est une blague. Bon. Au moins, on a sauvé les généraux. On va rentrer la queue entre les jambes à Talajaf. Ah là là, quel échec. Bon, bah au moins là, on a de l'argent. Fenas Durin est tombé, le déclin des Rangers. Oh là 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 là, les mauvaises nouvelles. Bon. On va aller. Oh là 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 là. Là, je tente ma chance, hein. Même tour d'après, il y a quoi là-dedans? Oh, il y a des grandes bêtes, mais c'est pas possible. Grande bête au logaï. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Grande bête au logaï, il va me tomber dessus avec un autre stack. Avec un autre stack en même temps. En même temps, ici, je dois faire le siège de cette affreuse ville. Ah non, d'une landing, ça c'est bon. Allez hop. On va reprendre l'armée. Bon, ici, on a réparé les bateaux. Normalement, oui. Voilà. Oh, t'es qui, toi? Allez hop. Ça coule pas. Mais prochainement, oui. Et ici, on va les recompléter.
Je vais continuer à recompléter les... Et on va même commencer à lever de la troupe. Et cette fois, on va amener du T3. On va amener de la... des Warden de Tyris AR. On va amener du très lourd. Voilà, regardez. Ça va être ma nouvelle expédition. Hein. Voilà. Je lâche rien. Ça sera bien cette session. Non, on vient de se faire... J'ai réussi à prendre une bonne ville, Talajaf, qui est déjà sous siège. J'ai pris une terrible défaite à Umbar. Je me suis fait fesser à Umbar. Umbar, ça devient compliqué à prendre. Hein. Et je pense que... Comment est-ce que je vais esquiver ça Comme ça... Il faut que j'arrive à rentrer à la maison. Je vais prendre mes deux généraux, je vais faire ça. Voilà. J'abandonne la troupe, les gars. J'abandonne la troupe. J'ai honte. Oh là là, regardez l'armée qui est en train d'arriver là. Il va falloir que je lève de la troupe supplémentaire. Voilà. Là-haut, le siège continue. Le roi sorcier d'Angmar est assiégé, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a sûrement des renforts qui vont arriver. Ah non! Oh, c'est parfait ça! C'est parfait! Et au niveau argent, 13 000, on fait de l'income. Hein. On fait de l'income! Et je pense que j'aurai une armée de prêtres très rapidement. Vu ce que j'ai levé là, on va faire des archers, piquer. Voilà! Ouais, ça va faire du bien les phalangistes T3, parce que c'est vrai que là, le Ardunheim est ingérable en termes de qualité d'unité, mais regardez, il a partout des Arpharazone Faithful. Enfin, c'est très très fort Ardunheim en late game. Même sans économie, il fait des trucs de dingue, quoi. J'espère que j'ai de quoi défendre ici. Ouais, j'ai de la cave, j'ai... Ouais, j'ai de quoi défendre. J'ai même pas réussi à faire ma garnison. Compliqué, hein. Compliqué. Tour suivant. De l'artillerie. Non, pas de l'artillerie. On espère que le Gondor va continuer à plus être bugué et à partir dans la bonne direction. On serre les fesses. Si le Gondor est débloqué, ça va me faire du bien. Il faut que je tienne. Il faut que je tienne, que je me débarrasse du roi sorcier d'Angmar, des Nazgûl, et ça va aider le Gondor. Une bonne lignée de javeliniers. Non. Parce qu'il faut que les javeliniers ils soient perse armure. Tu vois. Et les javeliniers de dans la droite ne sont pas perse armure. Donc pour faire simple, aux unités T3. Oh là là, regardez ça. Double logai. On en parle de l'armée. Triple logai. Grande bête. Grande bête avec X. Vous savez quoi, je vais la faire. Normalement, là-bas. Il ne doit pas arriver par là, non. Il doit arriver de l'autre côté, si je me trompe pas. Mais non, mais c'est pas possible. Comment je fais pour me tromper à chaque fois? C'est terrible. Alors là, on va se mettre comme ça. Hop. On va les bourriner. On va les bourriner. Hop. On va leur rentrer dedans. Toi, c'est le feu. C'est pas possible quand même qu'à chaque fois... À chaque fois, je me fasse avoir. C'est systématique. On amène le DPS contre les trolls. Oh là là, j'ai très très peur. Hein. J'ai très très peur. Non, mes unités sont pas là. Mes unités sont en retard, putain. Oh là là, c'est des gars. Fais des groupes, mais... T'en as d'autres, des conseils comme ça?
pour leur rendre plein de morts. Pas toi. Voilà. Allez, on attaque. Voilà. Voilà. Hop, hop. On va contourner. On va bien charger. J'avais pas vu que j'avais plus de piquets que ça. Oh, j'ai des grandes bêtes qui arrivent. Les grandes bêtes, elles sont là. Je vais amener mes javelinés. J'avais pas vu que les grandes bêtes étaient là. Je vais prendre les archers. Je vais les replier. Ils gênent la ligne. Oh, j'avais pas vu ici. Non. Oh, les grandes bêtes. Les grandes bêtes. Ok, les javelinés. Oh là là, oulala, oulala, oulala. Les grandes bêtes, terrifiants. Allez, mes javelinés, je compte sur vous. Ici, il y a un trou dans le dispositif, je rentre. Voilà, l'armée qui arrive là-bas, je suis pas en place du tout. Allez, mes javelinés, s'il vous plaît. Oh, ma cave, j'avais pas vu mes cavaliers. Oh, ici, mais non, mais... Je me fais percer. Et mes javeliniers qui sont pas en place, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mes javeliniers, je vous déteste. Oh, que je vous déteste. Ok, mes javeliniers, c'est tombé. C'est tombé, les grandes bêtes. Oh, non, mais non, mais non, où tu vas? Oh. Mais non, il se barre, c'est pas possible, reviens! Où tu vas? Oh, mes bons archers qui se font laminer. Ici, je vais descendre, et je vais commencer à installer un front là. On est en train de l'encercler. Il faut que je me débarrasse des grandes bêtes. C'est mon objectif. Voilà. Là, les hologuys, ça tombe, les grandes bêtes, ça tombe. Allez! Voilà! Magnifique! Tac! Encore! On a déjà tombé les grandes bêtes, hein. Les grandes bêtes ont pris cher. Il faut que je replie mes archers. Il faut que je replie mes archers. Ici, on est en train de réussir à les encercler, à leur faire des dégâts. Et on s'accrue sur le flanc. Oh non, mes javeliniers. Ils ont presque eu les grandes bêtes. Ils ont presque eu les grandes bêtes, c'est bon. Il n'y a plus que deux grandes bêtes. Je me replie. Par contre, j'ai une unité qui a cessé d'exister. Ça, c'est les trolls. Les trolls ont fait des dégâts terribles. Terrifiant, les trolls. Oh là 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 là. Mes archers. Terrifiant. Les hologuys qui ont enfoncé ma ligne. J'ai pas réussi à faire de charge de cave, pas une seule fois. Là, on va venir attaquer les légers. Non mais lâche-moi, toi! Il veut tout choper, mon général, c'est extrêmement frustrant. Et mes javeliniers... Oh non, il revient pour les putains de grandes bêtes. Son autre armée est en train d'arriver, mais mes javeliniers sont pas en place, allez! Il reste deux grandes bêtes, on a fait le boulot. Je vais ramener mon général, faut pas que je le perde bêtement. Ok, il se barre. Et ici, on va pouvoir ouvrir le feu, enfin, avec mes archers. Là, des renforts. Là, il n'a même pas d'unité qui fuit. On n'a même pas réussi à lui manger ça. Le disrespect est absolu. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais les hologuys, ça tombe. Il y en a encore qui arrivent, des hologuys, hein. C'est pas fini. Là, on va bien charger là-dedans. Allez, la petite charge, enfin. Il y a encore tout ça qui arrive. Une grande bête là-bas. Allez, ça y est, la grande bête est folle. C'est bon. Les hologuys, on est en train de les tenir. On va pouvoir commencer à faire un nouveau front. Il y a des trolls là-bas. Je vais essayer d'aller choper les trolls avec mes archers. Comme ça. Hop.
Allez, la grande bête, tu vas dans ton armée là. Oh non, mais il est fou. Il est fou. Pourquoi il panique pas? Allez, je charge. Voilà, magnifique. Magnifique. La garde de Moranon qui va prendre très très cher. Et on se barre. Ici, on va pouvoir reprendre des unités, refaire une ligne de front cohérente. Allez, on se remet en place correctement. Oh, les trolls qui sont arrivés. Les trolls. Oh, c'est des holo-guys, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. La grande bête, elle est folle. Et il me dit que ça va plutôt bien. Et il attaque mes troupes. Ok, je vais essayer de... Oh, magnifique, il charge dans ses troupes. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Oh non, on charge mal. Quoique. Oh non, elle est bonne la charge, elle est bonne la charge, elle est bonne la charge. Voilà, allez, par toi. Par contre, là, les. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Il y a des troupes d'élite. Oh non, 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 lâche-moi, lâche-moi. Ah. C'est très compliqué hein. Les holo-guys là, ils me font tellement mal. Les holo-guys. Il y en a encore là-haut. Mais c'est pas possible. Il y en a partout de ces merdes. Il y a des régiments entiers d'holo-guys. Mais quel cauchemar à affronter. Et là j'ai des mecs qui fuient malheureusement. Là j'étais même pas dans le bon sens. Allez, on va attaquer. Pour l'instant, ça va tenir ici, mais je sais pas combien de temps il y a tellement de logai. C'est terrifiant à affronter hein, le monde de logai. Hein. Allez, là ça lâche. Impétueux. Allez, 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 lâche pas. Il lâche pas. Et c'est vrai qu'il y a aussi un Nazgûl dans le tas. Nazgûl, Hologai. Oh, mais la quantité de viande qu'il y a. J'ai déjà pris 50% de perte hein, dans mon armée. Hein. Je vais pas la gagner cette bataille. Hein. Je vais pas la gagner. Mais il y a juste trop de trolls. C'est indécent qu'il y ait autant de logai. On se replie. Je prends beaucoup trop de pertes. J'ai déjà pris. Ouais, j'ai pris beaucoup trop de pertes. Et là, les hologai, je peux pas. Ils sont pas gérables. Il n'y aurait pas eu les trolls, je la gagnais large. Trouver tuer le Nazgûl, non, je peux pas. Il est quelque part dans la mêlée, là, avec des Warden. Il doit être quelque part là-dedans. J'ai vu des Warden qui se baladaient. Voilà, Temple Ward, il est en plein milieu de la mêlée. Ingérable. Je l'aurais pas, malheureusement. Allez, les Dakono pour les savates. Oh là là, les Hologai ici. J'en ai pas tué un seul de Hologai. Hein. J'en ai pas tué un seul de Hologai. Ici, pareil. 6. Ok. Ça a même pas fui, t'es sérieux? Il ne fuit pas à 6. On est trop Hologai, oui, mais il faut réussir à toucher et tout ça, quoi. C'est. Oh, les Hologai ici, c'est indécent. Le jeu est terrible dans les late game. Là, je vais devoir laisser le Gondor gérer maintenant. Hein. J'ai fait de mon mieux contre le Gondor, mais je pourrais pas faire plus que ça. Je pourrais pas faire plus que ça contre le Gondor, malheureusement. Là, on a tué un Hologai. Et là maintenant il poursuit mes généraux avec, avec ses hologai. Mes mecs fuient. Allez, on se barre. Je l'abandonne. Je la gagnerai pas cette bataille. Je la gagnerai pas. Trop de hologai. T2, T3, c'est pas si simple que ça les T2, T3. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour. En fait, le problème c'est que je suis sur tous les fronts. Et il faudrait par exemple pour prendre Umbar, il me faudrait 2 stacks sur Umbar. Mais j'ai un. Le problème c'est que j'ai sauvé le Gondor. J'ai essayé d'aider le Gondor au maximum.
Et bah j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis pas assez nombreux. L'ennemi a des trop bons stacks de troupes. Oh, mon général, je vais perdre un général. Regardez-le, ils se font là. Oh là là, allez. C'est bon. Dommage, hein. Deux armées échouées, hein. Umbar échoué, ça a échoué ici le plan sur Osgiliath. Non mais vous avez vu le nombre de trolls? Vous vous rendez compte du nombre de logai? Et j'en ai tué un paquet. Et il y avait des grandes bêtes. C'est terrible. Tu m'étonnes que j'ai perdu. J'avais aucune chance. Au moins Lincoln va boule, ouais. L'avantage c'est que je vais pouvoir refaire des armées, je pense que je vais retourner. Ça va finir par passer à... Ça va finir par passer, je l'espère, à force, à Umbar. Mais c'est compliqué, hein. C'est... Ouais, ça c'est le problème, vous voulez faire trop de choses en même temps. Et au final, bah vous arrivez à rien, là il me faudrait plus de javeliniers aussi. Mais je continue de développer l'écho. Ouais, je me suis fait casser la figure. Le Gondor, une bonne nouvelle, c'est que le Gondor est en train de passer à Kerandros. Regardez, les stacks du Gondor à Kerandros. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, je vais me focaliser sur Umbar. Je vais lâcher, là, le Gondor est en vie. Je vais lâcher le Gondor. Je vais retourner à Umbar. Et je vais me focaliser sur Umbar et je vais tuer Umbar. Ouais, j'ai perdu aucun général, c'est vrai. Mais c'était une armée pas dégueulasse que j'avais là. Bon, il y avait du T1. C'était pas une armée top que j'avais là. Hein. C'était. Maintenant, j'arrête les armées T1. Oh là là, oh là là, Ardulaim. Malheureusement, je vais perdre des troupes, c'est pas grave. J'ai sauvé mes deux généraux, c'est le plus important, j'espère en tout cas. Arvnen qui est ennuyeux comme la pluie. We should retreat. Je me suis fait casser la figure. Mais regardez le Harad en même temps. Le Harad. Oh non, non, non. C'est compliqué. Hein. Oh non! Me dis pas que. Ça provoque la sortie de la ville, c'est une blague. Il me force la bataille en dehors de la ville. Est-ce que ça passerait pas en bataille auto? Oh, je suis salé, mais qu'est-ce que je suis salé! Je déteste ce jeu! Comment c'est possible ça? Il me force à la bataille! Je suis obligé de faire la bataille. Repli. Et je pense même pas que je puisse pas replier. Je pense même pas que je puisse pas replier. Parce qu'il attaque l'unité qui s'est déjà repliée. On va voir, attends. J'ai peut-être mal vu, mais... Regarde, je peux pas me replier. Et il amène un général. 56 household. C'est absurde. C'est absurde que le moteur de jeu autorise ça. Sans le rage quit, non, ça sent pas le rage quit. On rage quit pas ici pour ça. Tu vois. On rage quit pas pour ça, mais j'ai le droit d'être salé. Par contre. Repli tellement fort, mais je vais même, je suis même pas sûr que j'ai le droit de les replier. Là déjà je peux pas replier ça. Et on va voir si je peux replier les renforts, mais je suis pas sûr. Ok,
D'accord, quand le jeu veut pas, il vous fait bien comprendre. Je peux, j'ai non, j'ai pas le droit. Je ne peux pas replier les renforts. Ceci est un exploit de l'IA. Voilà. Je vais devoir faire cette bataille. On va devoir faire la bataille. En plus, je suis bien mal placé. C'est absolument... Non, mais c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant à quel point le jeu se fout de moi. Hein. Le jeu veut que je sois malheureux, je pense. Soyons honnêtes. Hein. On te force à la bataille. C'est... Ahurissant. Bon, on va se mettre en place, on va essayer de faire une belle formation. J'ai quand même des atouts. J'ai un peu de cav. J'ai un peu de cav. J'ai des anti-armures. J'ai des anti-armures. Oula, faut que je me dépêche quand même. Voilà. Ouais, j'ai quand même de quoi faire. Hein. Vous avez tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. On va mettre tout ça en place. La cavalerie. Les régiments d'archers. Voilà. Le terrain est affreux. Hein. Ah mais quand le jeu veut pas, le jeu te dit merde, il te dit merde. Hein. Là c'est la prime. Tout est abominable ce qui vient de se passer. C'est tout est abominable. Oui, je vais la gagner la bataille, hein, mais c'est juste que c'est pas ce que je voulais faire du tout quoi. Et le moteur de jeu du jeu me force à faire quelque chose que j'ai pas envie en fait. Après, en soi, j'avais pas fait le bâtiment des garnisons, mais j'aurais préféré avoir le... Il y a des archers. Oh, il y a une Berutienne Watch et tout. Bon sang, bonsoir. Ah, la Berutienne Watch, faut que je fasse attention, il y a les... Il y a les halbardiers juste derrière. Faut faire une petite charge. Voilà, chargez pas mal. Débarrasse-moi de tous ces... Arbalétrier, magnifique. Allez, par toi. Par toi. Allez, là, ça arrive. Alors, toi, la light infantry, là. Ma cavalerie, mon général. Non, mais. La cavalerie qui refuse les ordres aussi. Tu utilises aussi cet exploit sur l'IA. Ouais, mais. C'est l'IA, tu vois. C'est l'IA! L'IA est pas censée faire. Si l'IA le fait, c'est qu'elle a un énorme coup de chat. Ce qui est le cas là, tu vois. Donc forcément, c'est frustrant quand c'est l'IA qui te le fait. J'affronte pas un humain, tu vois. Tu comprends mon sel. Zut, zut, zut. On va essayer de s'infiltrer. Comme ça. Voilà. L'anti-armure. Il est où son général? Zut, là-bas, j'avais oublié. Mon unité. Arrêtez-vous. Vous avez oublié. Ouf. Allez, ça tombe, c'est parfait. On se replie. Allez. On se focus, on arrête de se plaindre comme un... des femmes. Et on joue.
Ah, le tower défense à Tarmad, que des bons souvenirs. Mais il est où le général ennemi? Tout à l'heure je cherche mais... Ah il est là! Il est Narwhal, parfait, j'ai envoyé mon anti... Oh mon général... Ah non c'est bon, mon général est là. Pour toi. J'ai envoyé mon anti-armure dedans. Ici on va venir encercler. Allez, on va croquer ça, à l'usure. Reste là avec tes narus. Voilà. Allez, ça va avec moi, ça. Là, on encercle. Ici, c'est en train de lâcher. On va aller tirer les archers. Ok. J'ai aussi perdu la grande arme pour un effet. Ah là là, ça c'est terrible. J'ai jamais fait Arnor. Hein. J'ai jamais. Je connais. Oh là là. Je connais que le royaume réunifié. Oh la Beruthiel Watch, qu'est-ce qu'elle fait mal. Bon. Ici c'est en train de lâcher, on les encercle. Ici on va aller aider ça. Allez. Allez là ça lâche, c'est bon. Il y a encore un régiment qui arrive là-haut. Ici c'est encerclé. Les narus ils sont plus de 20, on est en train de les croquer. Là ça a lâché, c'est parfait. On va venir encercler. Et là, on va les savater. J'ai pas encore la portée, ça va pas tarder. Ici, ça va fuir. Oh là là, mais mon anti-armure se fait ouvrir. Eh ben, elle est pas si simple que ça, cette bataille. Hein. Il y avait des sacrées unités. Hein. Et le général ennemi, là, il prend bien son temps hein, pour lâcher. Rien lâche alors que c'est encerclé. Que du bonheur. Hein. Et il y a du T2. Eh, j'ai pris ouais, 20% de perte, ça va, je me plains. Depuis la première version de Serdage, ouais. Ça, le jeu, rien à voir, mais bon, c'est quand même plus de 10 ans de développement, quand tu penses quasiment. Ça date de quand Serdage? Je me rappelle avoir joué quand il n'y avait pas de. Il n'y avait même pas de villes. Il n'y avait que des villes de Medieval 2, quoi. Genre Minas Tirith, c'était une affreuse ville. Ah, c'était autre chose, hein. C'était autre chose, hein. Bon, j'ai peur. Allez. Général ennemi qui lâche, ça c'est bon signe. Il y a encore de l'infanterie moyenne. Là ça fuit, parfait. Allez, on attaque. Allez, là on vient choper la Beruthiel Watch. Au corps à corps. Allez, ça suffit. Voilà. On arrête de fuir. Cette bataille m'aura fait mal. Très mal. Mais ça lâche. Ici, ça lâche pas. Hein. Ça lâche pas, hein, mais c'est du... C'est du... C'est des putains de T2. C'est terrible, Ardunaim, en late game. Hein. C'est tellement solide. Même les unités de tir sont fortes. Tirer dans le dos, tirer dessus. Et la Beruthiel Watch, mais elle va pas me battre quand même. Ils vont pas me battre les bougs. Ils vont pas me battre.
Allez! Ça fuit. Enfin. Et là-haut, ça fuit aussi. Je ne voulais pas faire cette bataille. Hein. Je ne voulais pas faire cette bataille. Hein. La qualité des troupes de Hardunheim est juste terrifiante. Hein. Vous voulez pas faire ça. Vraiment pas. Ah, Medieval 2 Remastered. Non, je suis pas fan des Remastered. Je suis pas fan du tout des Remastered. Je trouve que c'est de la fainéantise commerciale de faire des Remastered. Ils te vendent ça à 30€ alors que c'est le même jeu. Avec juste quelques petites améliorations. Tiens donc, Hiro, t'as la gueule de bois après. Eh ben, ça t'empêche pas de venir troller et de faire du shitposting dans mon chat en tout cas. Hein. Ok, pas mal. On s'en sort pas trop mal. On a quand même pris cher. Vivement que je finisse mes phalanges. Les variables ont trahi et je suis allé à Hardunheim, c'est beaucoup plus facile. Ah ouais! Creative Assembly, ça fait très longtemps qu'ils ont été passionnés, je pense. De toute façon, là, ils vont avoir une nouvelle charrette de licenciement assez terrible. Ah bah ouais, entre Yéna, où ils ont perdu 100 millions, et Pharao, qui on peut le dire, a quand même bidé au niveau chiffres, c'est un peu la cata. Allez, on s'en est sorti. Oh, les nouveaux. Il m'a ressorti un stack direct. Hein. Il m'a ressorti un stack direct. Et Redwin prospère. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont trahi. Ah, ça aurait été trop beau si c'était pas le cas. Est-ce qu'ici, on pourrait se barrer? Ouais, parfait. Je vais réussir à me replier. Et on va préparer. On va continuer à faire de la viande. Et à préparer. La future armée. Bon, malheureusement là-haut, je vais me barrer. Hein. Je vais repasser par le nord. Et cette armée, on va la ramener tranquillement à la maison. Ici, on va récupérer de la troupe. Et on va préparer une expédition. Je vais préparer une expédition. Et on va aller prendre Khaldun. J'ai peut-être pas réussi à aller prendre Umbar. Mais on va continuer à attaquer. On va amener Imaril. Eux là, on va les envoyer à Gobelmirland. Et on va envoyer toute l'armée. Et on va aller attaquer. Khaldun. Bon, mais regardez ce qu'il y a en défense ici. Mais c'est pas possible. Oh, je viens de finir la vidéo sur l'aéronavale japonaise et le service des essences. Oh, ça. Écoute. Là, on n'est pas trop Seconde Guerre mondiale. Là, on est plutôt fist dans mon anus. C'est compliqué. C'est compliqué là. Je ramasse, mais régale-toi. Ouais. Ah, regardez ce que je sors. Des Talon Knights. Il est temps que je commence à sortir du T3, moi aussi. Il est grand temps que je me fasse plaisir. On va continuer à investir dans l'Incom, les bâtiments commerciaux. Il faut développer cette ville. Là-haut, le siège continue. Hein. Il n'a pas l'air décidé à sortir. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Hein. On va continuer l'offensive contre les flottes. Les flottes d'Umbar. Oh non, mais... Oh, défaite, c'est une blague. On a perdu la bataille, je crois. On a perdu la bagarre. Victoire claire, merci. Bon, par contre, il faut que j'aille me recompléter parce que... Oh non, mais... J'en peux plus, hein, de la quantité de bateaux d'Umba. Voilà, allez. On recompte. Ah, si je peux recompléter, normalement. Voilà. Toi, tu vas aller recompléter là-haut. Normalement, j'ai une troisième flotte. Oui, ma troisième flotte. Oh là là, ici, j'ai peur. Ici, j'ai un peu peur.
Je vais pas avoir le temps de faire des... Oh, ça va. J'espère que ça va. J'avais une troisième flotte. Une flotte. Deux flottes. Et la troisième. Allez là, parfait. Bon. J'attends ta partie avec Rivendell. Et tu t'amuses bien? Medieval 1 et sa BO légendaire. Ah ouais, il faudrait que je chope la BO de Medieval 1 pour mes streams. Bon. Là où ça se passe bien, siège. On va continuer à faire du bâtiment. J'ai encore beaucoup de bâtiments commerciaux à faire. On va continuer à développer tout ça. La banque des marchands, on ne s'arrête plus. C'est parti. L'argent. Practice, ici on va faire des archers. Et ici... Ok. On fait beaucoup d'argent. On fait beaucoup d'argent, mais c'est normal. On a beaucoup de troupes qui vont arriver. Et... Je me prépare à faire une expédition sur Khaldun. C'est parti. C'est dur mais fun, ok. They are billions. J'ai même pas le jeu finalement. Oh, des stacks du Gondor. Bon, je pense que le Gondor maintenant il va tenir bien. Je vais pouvoir me focaliser contre Umbar entièrement. Oui, le siège ça va passer avec les tours de défense et tout ça. Garnison, tour de def. Il va pas passer. Hein. Il a même pas lancé le siège. J'ai l'impression que le Gondor stack beaucoup, t'imagines même pas le nombre de stacks qu'a le Gondor. En fait, j'ai défendu Kerandros pendant tellement longtemps que le Gondor doit avoir 15 stacks, mais qu'il fait pas grand chose pour le moment avec. Tu commences quand le run Enedwys? Prochainement. Ok, il lance le siège. Cette semaine ou semaine prochaine, je pense. Il a combien de stacks? Je pense qu'il a une quinzaine de stacks, le Gondor. Putain, il a une quinzaine de stacks, je pense. Bon. Ouais, l'anneau a été trouvé, ça je m'en fous, moi. Il est temps de prendre une armée. De prendre Imari les Fistions. De laisser le minimum syndical derrière. Vraiment le minimum syndical en def. Tous les javeliniers et tout. Comme ça. Et vous savez quoi? Là, j'amène... Hop! J'ai de la viande qui va arriver. Et je vais tenter. Non, mais c'est pas possible. On va voir. En soi, j'ai une excellente cavalerie lourde. Mais c'est pas très quali. Lui a de la quali. Vous savez que ça, c'est l'armée qui m'a battu tout à l'heure. Hein. Allez, de nouveau là. Ici, continue de recompléter les pertes. Là, dans un tour, il va devoir faire sa sortie. On va se débarrasser du roi sorcier dans le mar. Je vais continuer à recompléter mes navires. Là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas, toutes mes flottes? Ah ouais, j'ai perdu une bataille navale, malheureusement. Ici, on va faire ça. On va continuer à attaquer les bateaux. Allez, là, ça coule. Voilà. Un bateau en moins. Et je vais aller recompléter à Edeland. Voilà. Et à Edeland, on va installer Guard Barracks. Et je vais même pouvoir ici recompléter ma flotte. Allez, recompléter les bateaux, la priorité des troupes.
fraîche. Du T2. Hop. Voilà. Je suis en train de lever une armée. Hein. Je suis en train de lever une armée. Ici, on aura déjà des troupes de prêtes. On en relève encore plus. Quel enfer. Tu n'avais pas un full qui devait prendre mon part en full T2. T'arrives en retard, j'ai pris une énorme pilule. J'ai pris une énorme pilule à Umbar. Et ça, c'est l'armée entre autres qui m'a mis la pilule. Voilà. Dregn. Je me suis fait piluler la rondelle. Tout simplement. C'est une soirée difficile. C'est une soirée délicate. On va continuer à Dolamroth. Il y a tant que ça de gros bâtiments à faire. Ici, on a aussi bien avancé dans les bâtiments. On construit partout. On va installer toujours plus d'armures. Hein. Les armures, c'est la vie. Hein. Let's go. Hein. On fait 13 000 d'incom. Voilà. Hein. Elle a affaibli l'armée d'une barre. Je suis même pas sûr. Hein. Juste par curiosité. Je demande. Il a pas de général. Hein. Oh fistion, me dis pas que t'es mort. Ah ouais, mais la gueule de mon armée maintenant. T'es... Ah non, non, fistion. Non. Fistion est mort. Hors de question. Fiston est mort. Depuis quand les généraux ils meurent comme ça en auto-battle hein? On relaunch. Je perds pas Fiston en auto-battle. Hein. Si je perds Fiston, c'est à la bataille. Et uniquement à la bataille. Hein. Le mode Rivendell et Vineda ont des missions qui vont avoir avec l'un et l'autre. Ouais, ils ont des missions en coop quoi. Non, Fiston, il va revenir. Ah, ça va les coups de tenter. Mais il y a moyen de faire mieux, je pense. Il y a moyen de faire mieux. Est-ce que j'enverrai pas quelques renforts? C'est osé, mais... Ah, je vais tenter. Je vais tenter, j'ai des unités qui arrivent. Oh là là, s'il attaque avec ça, je suis dans le caca. On prend des risques, hein, mais il est... Voilà. Bon, ici, ça m'a lâché. Je vais enfin prendre ça. Là, je vais être... Oh là 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 là, je suis sous une pression dingue. Il y a toujours Christian. C'est qui Christian? Bon, ben, je me rappelle plus d'avoir un Christian dans mon armée. Là. J'ai Arvedui, le tricurieux, qui a survécu. Arvedui et son mignon qui ont survécu. Eh, ça... Non mais à un moment, j'ai le droit d'avoir un peu de chance avec les auto-battles. Victoire claire, je la prends. Voilà. Parfait. Excellent jeu. Il est incroyable, Kingdom Come Deliverance. C'est un très bon jeu, très immersif. Pas facile. Bon. Eh, ça passerait pas ça aussi en auto-battle? Hein. Et avec Imaril. Non, défaite claire, forcément. On va devoir la faire, celle-là. On va devoir la faire. Tu renforces pas Linhir avec le Mordor pas loin. Linhir, c'est la ville que je viens de prendre? Non, Linhir, ça c'est bon. Linhir, en fait, n'a pas d'accès avec le Mordor parce que... Il y a le Variag devant. Enfin, je crois, en tout cas. Ou alors, le Mordor a pris le bled devant Linhir? Ça m'embêterait. Il y a plus... Oh là là, mais c'est pas possible que le Variag soit aussi nul. C'est pas possible que le Variag soit aussi nul. Je dois repasser derrière à chaque fois.
Et il perd les vies, là. Ouais, je l'ai dit, bah... Je m'en fous de ce que tu dis, là. Bon. Défendons. Défendons. Il y a une sacrée armée. Mais c'est pas non plus... c'est jouable. Comme ça. Là, il y a la tour. Ok, il n'y a pas double échelle. C'est une bonne nouvelle. J'ai beaucoup d'archers. On va pouvoir s'abattre. J'ai des jardiniers qui vont lâcher des flèches. Comme ça. Là, on va mettre l'autre unité. On va mettre les T2 en bas pour tanker. Avec de l'infanterie. Voilà. Forcément, j'ai pas le droit de perdre cette bataille. Hein. Chef de faction présent. De toute façon, rien qu'avec là, c'est stack, ça va faire le boulot. Hein. C'est stack, ça va faire le boulot. Et. J'ai quand même beaucoup d'unités. Des javelinier, on peut les mettre là-haut. De l'infanterie au cas où. En renfort pour les deux camps. Ah, mais j'ai pas vu que j'avais une phalange ici. Fantastique. J'ai une phalange. Voilà. Parfait ça. Hop. On va défendre. L'infanterie derrière. Parfait. Bon. Il va devoir faire le tour. Il a pas d'arme de siège. Moi, je crois pas. Il a pas d'arme de siège de l'autre côté. J'ai même pas vu qu'il y avait deux armées, quoi. Non, il y a rien. Parfait. Passer un bon stream. Moi, en tout cas, je passe pas trop un bon stream. Hein. Je m'en prends plein les fesses, hein. Je m'en prends plein le boule, c'est compliqué. Hein. Ma soirée là avec de la menthe, tous les runs ne se ressemblent pas. Comme ça, et on va défendre. Là, tu vas venir derrière. Oh les balistes. Boum, boum, magnifique. Ouais, le rang a une très bonne cave. Et dès le début, hein, t'as accès à de la cave lourde et tout. Là, je vais cesser comme ça. Toi, tire pas. Ok. At the walls. Repel the attackers. Give them steel. Bon, il a déjà pris quelques pertes. Ça tombe. Les pikman, infanterie moyenne. La tour, là, est déjà à 44%. Oh, le bélier qui brûle. Oh, il a un autre bélier. Mais ça l'expose à mes tours. Alors ça, c'est un régal. J'ouvre Twitch l'autre jour, que des streams. Ah bah ouais, mais ouais, mais... bah ouais, et en plus, mon automode n'a pas apprécié la misogynie de ton poste. Deadly Ginger. Et ouais, bienvenue dans Twitch en 2024. Allez, ouais, on prend les crocs. Là, mon infanterie moyenne sur les murs. Ok, elle se passe bien cette bataille. Le fait qu'il ait perdu son bélier là, il va devoir aller en chercher un autre. 48%, 53%. Ouh. Oh là 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 là. Il y a du Warpen qui arrive maintenant, j'ai envoyé quelques renforts. Et ouais, il se précipite sur les échelles ici. Oh, il y a
Deux échelles qui sont tombées. C'est bon ça. Le bélier est à 14%. Oh là là, mais tire sur la tour plutôt. Ah, il se focalise. Je déteste ça. Ouais, les gardes de Méduseld sont pas dégoûts avec Arimoran. Je vais devoir envoyer des renforts. Ouais, j'ai eu de la chance avec un bélier. J'aurais pas deux fois de la chance. Oh là là, ce qui prend le bélier. Prend le bélier qui ne veut pas. Allez, venez les gars. Oh, c'est les anti-armures. C'est les mercenaires de la Ronde d'Or, les anti-armures. Bon, heureusement, avec les tours, ils vont arriver au coup de goutte. Oh, les DPS qu'il me fait, au secours. Oh, le bélier à 62%. Bon, tant pis. Et ici, il y a plus. Ok, il y a plus qu'une échelle. On va le croquer. S'il faut, j'enverrai des renforts. Allez, si on les mange au fur et à mesure qu'ils arrivent. 123, 122. Allez, hop, 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 hop. Les passes sanitaires, les QR codes, c'est parti. Hein. Allez, ça arrive. Oh, il y a toute la cave là-bas. Oh. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. On lui a fait pas mal de pertes. Ok, si on tient. Là-haut, il est en train de gagner. Hein. Je devrais envoyer des renforts. Hein. Non, je peux pas envoyer Maril. Je suis extrêmement court au niveau renfort. Hop. Toi, tu viens là. Toi, tu restes là. 87%, je peux même pas passer. Je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps de passer. Le timing est absolument infect. Au moins, ici, on est en train de me croquer. Il avance pas, voilà. Allez, ça rentre. Il y a toute la cavalerie qui arrive. Oh là là, ça va faire du monde. Hein. Ça va faire beaucoup de monde. Allez. Oh là là, les plus 60. Là, je suis en train de perdre le combat, malheureusement. Et je vais envoyer Maril. Comme ça, s'il descend, on s'abattra. Ok, là, toute la cavalerie, ça va tomber. Oh, le régal. Le régal. Les archers, les javeliniers. Ouais, l'apprentissage du combat est pas facile à Kingdom Come Deliverance, mais c'est là où c'est chouette, en fait. Tu deviens bon avec le temps, c'est vraiment difficile, et t'es obligé de jouer régulièrement. Moi, je sais que malheureusement, avec le streaming, bah, je jouais pas assez souvent. Et je retenais plus, en fait. C'est une gymnastique avec les doigts. Il faut que t'apprennes à... Il faut t'entraîner, en fait. Allez, on est en train de leur faire très très mal. Oh, mes archers se régalent. T'as vu le tir que j'ai là, avec mes corsaires, mes mercenaires. Oh, et les javelines. Ouh. Allez, ici, ça continue d'arriver. Bon, je vais attaquer avec... Non, je vais attaquer avec... Est-ce que j'ose attaquer avec qui m'arrive sur les murs, j'y vais. J'y vais, c'est pas bien. Non, voilà, voilà, voilà. Comme ça. Ici, ça tient. Il y avait un général dans cette armée? Il me semble que oui. Hein. C'est en train de lâcher. Allez. On s'abatte. Voilà, pas mal. On est en train de le croquer. Hein. Au niveau des pertes, on est bien. 20 à 37, on a quand même ramassé. Hein. Enfin, c'est des jeux où il y a quand même une courbe d'apprentissage et une courbe de niveau.
Ce qui est chouette, parce que si c'était trop facile tout de suite, il n'y aurait aucun intérêt. C'est bien aussi de suer un petit peu. On commence avec les mains, ouais, j'ai d'autres priorités, non? J'ai peut-être d'autres priorités là, tu vois. L'argent, c'est pas le problème, là c'est mes troupes le problème, et la qualité de mes troupes. Oh là là, mais ici, quand tu dois envoyer des troupes, il y a encore tout ça! Encore tout ça! C'est pas encore fini, hein! Oh là là, il m'arrive au combat. J'espère qu'il est pas devant. Je sais pas où il est. Allez, on l'a eu. Oh, Warlord, parfait. Là, le moral, ça tombe, ça y est, ça fuit. La tour est tombée. Allez, des bonnes nouvelles. Non, ne suivez surtout pas. Remettez-vous en place. Voilà. Barrez-vous. Voilà. On va défendre. Attaque en tour 2, t'inquiète. C'est juste les renforts qui arrivent et qui font tout le tour. Vu qu'ils n'avaient pas d'arme de siège. Allez, ici on les croque. Ils ne peuvent pas se barrer. Ici c'est bon, Imari l'a bossé. Félicitations. Voilà, regardez les prisonniers qui montent. Oh là 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 là, ça c'est bon, 103 unités qui fuient. Que du régal. Il y a encore du monde, hein. C'est pas fini. Hein. Les studios occidentaux Ubisoft. Ah, si on peut pas rire un petit peu. Ah, c'est vrai que il y a du quadruple A quand même hein, dans les starting blocks. Hein. Très important. On va les grinder à l'usure là. Voilà les pertes qui montent. Ça va se reformer tout ça. Ça va se reformer. Mais ça s'expose à mes tours, et c'est bon. Bon, les chameaux. Allez, bah, les Beastmasters. Venez dans mon anti-cab. Voilà, au revoir. On aura sué ce soir. Hein. Oh, qu'on aura sué, hein. Ces trois régiments qui arrivent. C'est con, j'ai pas de cavalerie. Est-ce qu'il y a un jeu dont tu attends la sortie en ce moment? Aucun. Absolument. Aucun. Squelette Moon, masterclass. Ah là là. Ouais. Les quadruple A d'Ubisoft, c'est plus ce que c'était. Hein. Adore l'ordre, même pas. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Si. Il y a Star Trucker que j'attends avec impatience. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'avoir un vaisseau, j'ai envie de faire du. J'ai envie de conduire un camion dans l'espace. Voilà, Star Trucker. Et aussi 2-3 jeux là, que j'avais test en démo, Breacher aussi qui est sympa. Voilà. Un jeu complet venant de Paradox, bah tu vas attendre longtemps. Hein. Ça arrivera pas ça pépère. Hein. Tu peux brosser. Hein. Oh là 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 là, mais il me charge comme un gros bourrin. Au secours. Et il force en plus hein. Parce qu'il y a ma phalange. Allez, le moral tombe vite avec les pertes. Allez.
Allez, le capitaine en moi. J'en veux plus de cette musique. Allez. Oh, les prisonniers, les prisonniers, les prisonniers, on se régale, on se régale, on se régale, on se régale. On se régale. Voilà. La bataille, elle est pas finie, hein. J'ai pas eu l'écran de victoire, on est clair, hein. J'ai pas eu l'écran de victoire. J'ai jamais joué à RimWorld. Ça a l'air fun. J'ai eu l'écran de victoire. 6 pp, ok. J'ai pas fait gaffe. 320 pertes. Grosse victoire. Grosse victoire. On la prend. Les bonnes annonces de Manor/Lords, c'est un jeu qui promet. Ok, 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 d'accord. Il y a Skull and Bones et Faramé. Au secours. Au secours. Allez, j'exécute. Hop, on fait le ménage. Voilà, je crois que je vais encore avoir une bataille avec Umbar. Je pense que je vais avoir une bataille avec Umbar. Est-ce qu'il va oser attaquer alors que j'ai un général full étoile? C'est la question. Ok, les armées de Kend. Umbar, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu oses m'attaquer? Ok, il m'attaque à Gobel Nirland. C'était attendu potentiellement. J'espère que je vais réussir à défendre. Parce qu'il y a quand même une sacrée armée. Ah ouais, en effet, c'est tombé en face de l'Imhir. La Moria West qui est sous siège. C'est une bonne nouvelle, potentiellement. Ici, il n'a pas attaqué. Est-ce que je l'attends ou pas? Je suis trop gourmand à chaque fois. Hein, et ça ne me réussit pas. Hein. Oh, mais la quantité de bateaux. Non, mais c'est indécent. La quantité de bateaux qu'il a. Alors que j'ai des belles flottes aussi, hein. J'ai pas de la merde. Hein. Mais il y a trop. Je vais rassembler toutes mes flottes. Hop. Comme ça. Voilà. Non. Trop risqué. Hein. Trop risqué. Je vais attendre mes T3. Je vais attendre mes T3. Là, je vais faire la bataille en auto, je pense. Hop. Je vais faire ça. Allez, va là. Et là. Ça passe facile. Fistion survie. Ah ouais, 1000 pertes quand même. Ouf. Allez, on exécute. Voilà. Éventuellement, toi, tu vas aller là. Voilà, et on va recompléter les pertes. Parfait. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. On installe 20 stables. Allez, c'est quoi Ouais, non, mais moi, les jeux de cartes, j'ai donné un. J'ai déjà donné les jeux de cartes. Entre les. Les Hearthstone, les cards, Voilà, j'ai donné. C'est trop de grind pour moi. Je suis pas assez patient pour jouer tous les jours, faire les petites missions et tout. Ça, je voulais le rendre. Je voulais le rendre au. Est-ce qu'on se débarrasserait pas de ça? Et éventuellement, on repasse par derrière. Est-ce que je le rends au Variag? C'est la question. Parce que le Variag, il arrive à rien là. Est-ce que j'ai pas tout intérêt à tout reprendre ça pour moi? Ou filer au Rondor?
Ça, là, je le donne au Gondor. Et le Gondor va envoyer ses stats. Vous en pensez quoi? Tu penses recommencer? Non. Pas avant un bouton, en tout cas. Ça, je pourrais le donner au Gondor, hein. Je le donne au Gondor, et le Gondor va peut-être pousser le long du truc, hein. Regardez pour toi. Non, 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 non. Parce que là, ça permettrait au Gondor, en fait, de contourner l'Anduin et d'avoir une ville de l'autre côté de l'Anduin. Je vais aller prendre ça pour le Gondor. Mais direct. Attends, je vais prendre mes armées qui sont là. Et on va essayer très tôt de faire une nouvelle armée qui va partir vers le nord. Et on va aller prendre ça et on va le donner au Gondor. Comme ça, le Gondor aura un bastion de l'autre côté de l'Anduin. Il va pouvoir pas se pousser par le sud. Très très bonne idée, ça. Et ici, on va continuer à recompléter les troupes. C'est pas brillant. Toi, tu vas monter à Parade Arn, deux tours. Écoutez, il m'a repoussé. L'affreux loustique là. Bon, on est en train de lever des sacrées unités. On va revenir balèze. On va revenir très très fort. Mais on s'est fait péter la gueule. On s'est fait péter la gueule durement. Lin-Ear. On va construire un Lin-Ear. School Steward Hall. Et on va continuer à faire de la troupe. Voilà. Les bateaux. Est-ce que je pourrais lever... Où est-ce que je pourrais lever une nouvelle flotte de guerre? Il me faut une nouvelle flotte de guerre. Voilà. On va investir très fort dans le militaire. Parce que là, c'est plus possible le naval. Hein. Voilà. Ouais, mais je connais pas l'univers d'Elder Scrolls. C'est comme The Witcher. C'est des univers que je connais pas du tout. Je les connais pas. Ok, j'ai une camée sur les bateaux. J'ai été peut-être un petit peu gourmand à l'inir. Je vais enlever un vaisseau lourd. Et à Estala... Construction, voilà. Oh, c'était quoi le bâtiment là? Colle, c'est bon. Bon bah. J'ai hâte de continuer. Hein. Ça s'est pas très très bien passé. Hein. La descente sur Umbar a échoué. Il me faut mes T3. Malheureusement, il me faut mes T3 contre Ardunheim. Et surtout, il sort beaucoup de bateaux. Bon, je m'arrête là pour ce soir, je continuerai sûrement semaine pro, et on commencera Gundabad peut-être lundi soir. On commencera peut-être Gundabad lundi soir. Demain, je ferai un Warbird sur le TU-95 Beer, du Polef TU-95, et en soirée, il y aura Resus, et on se fera du... on continuera notre petit run Ostrogo-Vandal, voilà. Zut. Bon, sur ce, je m'arrête là, passez une bonne soirée, peut-être à demain, et puis sinon, passez un bon week-end. Allez, ciao, ciao.